Hello Ambre. Alors, je t'ai demandé d'écrire une notice pour comment faire une brioche au beurre et à la confiture. Et tu l'as écrit sur le tableau. Maintenant, on va essayer. Prendre la brioche. Ok ? Prendre du beurre. Du beurre. Ok. Après. Étaler le beurre sur la brioche. Non. Bah c'est écrit comme ça. Non. Étaler le beurre sur la brioche, prendre de la confiture. Voilà. Mais non. Étaler la confiture sur la brioche. Ouais, sur la brioche, ouais. Et manger la tartine. Quelle tartine? Elle est où la tartine? Non. Ah bah il faut que tu réécrives la notice, elle est non. pas claire. Voilà. Bon, on recommence. Prendre de la brioche. Bon, je prends un couteau, ok. J'ai fini. Ok, on va voir ça. Alors, prendre de la brioche. Prendre un couteau. Ok. Sortir la brioche. Sortir la brioche. Ben, du nylon, des sachets. Sortir la brioche. Là, peut-être. Non. Ah. Sortir la brioche du sachet. Alors, tu vois ce qui est chiant, c'est que sortir la brioche avec le couteau dans la main, c'est pas facile, quoi. Donc, ok, voilà, j'ai sorti la brioche du sachet. J'ai toujours le couteau dans la main, je l'ai pas lâché. Hein. Couper une tranche de brioche. Comme ça. C'est bon comme ça? Non, une tranche normale comme ça. Ah non, ça. Là, c'était pas précisé ça. Prendre de la confiture, pardon, prendre de la confiture. Voilà, c'est chiant parce que j'ai encore le couteau dans la main, tu vois. Étaler le beurre, puis la confiture. Mais je peux pas, j'ai déjà les mains prises là. Attends, étaler le beurre. Étaler le beurre où? Là, j'étale le beurre, ok. Étaler le beurre. Et voilà. Puis la confiture sur la brioche. Voilà, à peu près ça. Manger la tartine. Bah tiens, tiens-moi. C'est pas génial. Hein. Bon bah, on recommence pas la prochaine fois.